Bienvenue à Séville pour ce deuxième match du Brésil dans le groupe F de la Coupe du Monde 1982. Les Brésiliens battus lors de la première rencontre, c'était face à l'URSS. Aujourd'hui, ils affrontent l'Écosse avec l'obligation de gagner. Et ça part plutôt mal car ce sont les Écossais qui se créent les premières occasions et qui ouvrent la marque même. Par John Robertson, le joueur de Nottingham, sur leur première offensive. Et les errances de la défense brésilienne que l'on avait déjà vu face aux Soviétiques se font encore ressentir. Le bon débordement, le centre, et voyez comme la défense est apathique. Et Robertson qui trompe Valdir Pérez. 11e minute de jeu, John Wark est lancé. Il attend du renfort. Le ballon pour Archibald, balle de 2-0, repoussée par Pérez. Le Brésil est en difficulté. L'Écosse tente sa chance à 100%. Enfin, une réaction brésilienne à la 40e minute de jeu seulement. Cette tête qui passe à côté, c'est pas beaucoup. 42e, un coup franc de Zico détourné qui a failli tromper Alan Wolf. On va le revoir en ralenti. Mais c'est quand même pas beaucoup pour cette équipe brésilienne qu'on a lancé comme. Le grandissime favori de cette Coupe du Monde a une occasion en or et un cafouillage et un ballon sauvé sur la ligne. C'était la plus belle occasion, vous voyez, ça siffle dans les tribunes, les supporters brésiliens ne sont pas contents. Deux défaites et ça serait l'élimination de la Seleção. Les Écossais commencent la seconde mi-temps comme ils avaient joué la première. Wark a tiré, ici un pénalty accordé aux Brésiliens et Zico qui a une balle d'égalisation. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et Zico trouve Alan Wolf sur sa route. Magnifique parade du portier écossais. 74e minute de jeu, une récupération de Roberto Dinamite. Zico est derrière, c'est combiné et c'est lutte. Enfin, enfin l'égalisation des Oriverdés. Mais que ce fut compliqué pour en arriver jusque-là. Vous allez voir, en tout cas, un beau pressing de Roberto Dinamite sur cette touche. Zico, là Zico tout de suite, en une touche de balle, il trouve Eder un partout. Le Brésil continue. Zico, le tir ici, s'est repoussé. Encore une grosse pression des Brésiliens dans cette fin de match. Zico au corner. Et qui s'élève? Personne. La reprise ici, contrée, ça cafouille. Ballon qui est dégagé, mal repoussé. On croit au but, et bien non, c'est à côté. Nouveau corner, 83 minutes de jeu, Zico toujours. Encore une frappe déviée, ça revient, Zico une deuxième fois, la défense écossaise fait bloc. Nouveau ballon, nouvelle tête pour repousser. C'est fort à l'amont devant le but écossais pour ces 5 dernières minutes. Zico le corner, et cette fois-ci c'est Oscar qui délivre la Seleção. Le libéro brésilien qui délivre les siens. Ouf, on respire côté brésilien. 2-1. Et les Écossais qui peuvent peut-être se mordre le doigt d'avoir trop reculé en cette seconde mi-temps. Le Brésil toujours. Alan Wolf doit se dépêcher. C'est sifflé, c'est terminé. Le Brésil s'impose. Mais il n'a encore rien prouvé dans cette Coupe du Monde. Vidéopack, le jeu vidéo Philips. 60 programmes de jeux différents avec des milliers de variantes. Le jeu vidéo Philips, sans cesse de nouveaux programmes passionnants. Philips Vidéopack, votre jeu vidéo. De retour ici à Malaga, à la Rosaleda, pour assister au second match de ce groupe F. Match qui va poser l'URSS, brillant vainqueur des Brésiliens lors du premier match, à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et les Néo-Zélandais, ce sont eux les premiers en action. On les avait pas vus contre l'Écosse. Là, ils sont à deux doigts de prendre un but sur cette occasion avec Gabrielov tout seul. Et heureusement, le gardien Van Atum à la main ferme. Regardez ici une récupération. Ça va aller vite. Summer, ballon devant. Derrière la défense et Winton Ruffer qui résiste et qui frappe et qui marque 1-0.
Et les supporters néo-zélandais sont aux anges. Voilà le premier but de la Nouvelle-Zélande dans cette Coupe du Monde. Eux qui avaient été éteints contre l'Écosse, et bien contre l'URSS, ils ouvrent la marque à ballon dans le dos de la défense. 1-0, Winton Ruffer permet à la Nouvelle-Zélande de mener. Coup franc terrible de Gavrilov, de Chivadze plutôt. Chivadze, ça passe juste au-dessus. L'URSS doit réagir forcément quand on bat le Brésil. On doit battre la Nouvelle-Zélande et conserver la tête du groupe. Ici, Ricky Herbert prend un deuxième carton jaune, ce qui signifie exclusion. Coup dur pour la Nouvelle-Zélande qui va se retrouver à 10 après à peine 25 minutes de jeu. Et là, l'arbitre ne pouvait pas faire autre chose que d'expulser le défenseur. Coup franc et coup franc, pleine lucarne de Gavrilov et un partout. Double sanction, double peine pour les Néo-Zélandais. Expulsion du défenseur. Et derrière, le coup franc direct de Youri Gavrilov, le joueur du Spartak Moscou. Un partout. Mais les Néo-Zélandais ne se découragent pas. Ils essaient, par des frappes lointaines, de tromper la vigilance soviétique. Ici encore, Ruffer, le plus dangereux. 38e minute de jeu, un corner. Un ballon qui va venir. Buriak, Blokhin. Et c'est à côté. Oleg Blokhin qui ne trouve pas le cadre. 42e minute de jeu. Blokhin sur son côté. Le débordement, il est passé, il fixe le petit ballon, le but, non, le retour in extremis du défenseur, un partout à la pause, c'est une surprise, la Nouvelle-Zélande tient la dragée haute, même s'ils sont quand même dominés. Un ballon pour Schengelia, la reprise pied trop ouvert de Schengelia, 57e, Schengelia, pas beaucoup de solutions, la balle croisée pour Buriak qui... Non, c'était Blokhin, pardon. Blokhin, un petit peu trop personnel sur ce coup-là. 70e minute de jeu, toujours un partout. Schengelia, Blokhin. Blokhin sur son côté, très remuant. Le centre tendu, c'est repoussé. Ça va revenir pour Leonid Buriak qui marque 2-1. L'URSS passe en tête assez logiquement. Car les Néo-Zélandais, physiquement, commencent à baisser de pied dans la chaleur ici de la Rosaleda. En tout cas, l'ouverture de Schengelia est super. Blokhin, gros travail sur son côté. Vanatum qui repousse et Buriak qui marque 2-1. Les Néo-Zélandais sont à l'agonie. Les déboulés de Blokhin leur font très mal. Regardez la vitesse de l'ailier du Dynamo Kiev. Blokhin. Et tranquillement sur le pied ouvert de Sergei Andreïev. 3-1. Vanatum est crucifié. Ça y est. L'Union soviétique fait le break. Et quel déboulé de Blokhin. Il a encore du jeu. Du jus, pardon. Et Andreïev, intérieur du pied, geste parfait, 3-1. Attention de ne pas en prendre un quatrième, car Blokhin a du feu dans les jambes. Et là, une tête ratée. 90e, on reprend le même Blokhin. Il se balade. Balle en retrait. Pour une frappe de Buriak, magnifique et bel arrêt de Vanatum qui aura retardé l'échéance tant qu'il pouvait. Mais malheureusement, on va en rester là pour les Néo-Zélandais et l'Union soviétique conserve la tête du groupe.